Bon, je suis vraiment contente du week-end passé avec mes 200-300 mètres. Là, j'étais vraiment contente. Et puis, aujourd'hui, moi, j'adore le meeting à Zofingue. Et puis, j'en attendais un peu plus, forcément. Mais avec les conditions météo, c'était difficile. J'ai pris barre aux 200 mètres, celui à midi. Et avec la pluie, ça a été dur pour moi. Et puis, il y avait 30 minutes de retard. Alors, j'ai un peu perdu tout mon influx, malheureusement. Et puis, j'ai plus pris ça dans ma tête comme un entraînement. Et puis, après, j'ai même pas fait celui de l'après-midi parce que je me suis dit que ça vaut pas la peine aujourd'hui. Je préfère faire quelques courses pour m'entraîner. Et là, je pense pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment travailler sur la vitesse. Je pense que la résistance, je l'ai, parce que bien sûr, moi, c'est plus le 200 mètres ma discipline. Je pense que la résistance, il n'y a pas de souci. C'est vraiment plus retravailler la vitesse. Avec la blessure de l'année passée, j'avais un peu perdu un peu cette énergie et puis un peu cette rapidité. Et puis, je pense que c'est vraiment là-dessus que je vais travailler. Mais en tout cas, les entraînements que j'ai faits, je suis assez contente. Ça revient pas trop mal, donc j'ai pas mal d'espoir. Maintenant, je prie que le soleil revienne. Alors, la semaine prochaine à Ohrdorf, en fait, on a les championnats suisses interclubs. Alors, je fais un 4x100 avec l'équipe et puis un 100 mètres. Et puis après, il y a Berne le 28, où c'est que je pense que je vais faire 100 mètres et 200. Et puis, voilà, c'est déjà ça. Mais j'ai plus vu si loin. Après, je ne sais plus ce qu'il y a début juin. Il y aura, je pense, un meeting international. Il y a aussi toujours, j'aime bien les meetings du soir à la Chaux-de-Fonds. Il y a toujours quelque chose, quoi. Il y a aussi Bellinzona. J'aimerais bien participer à Bellinzona. C'était ça, c'est début juin. Et là, ça serait vraiment super pour moi si je pouvais participer. Donc, j'espère. Bon, j'aimerais bien, ouais. Alors, ça, c'est clair. Alors, ce qui est bien, voilà, c'est qu'on est déjà qualifié. Et puis, là, avec l'équipe de relais, on va faire le 11 juin à Genève. Et puis, l'entraîneur, il aligne deux équipes. Alors, ça, c'est vraiment super. Et après, c'est clair, hein, le but pour moi, avant de penser à Rio, c'est penser au championnat d'Europe. Et j'aimerais vraiment faire une limite individuelle sur 200 et participer avec le relais. Alors vraiment, je croise les doigts, mais j'y crois. Je me sens beaucoup mieux que l'été passé avec la blessure que j'avais eue. Alors voilà.